Oui, d'avoir fait le déplacement. Je sais qu'il ne fait pas ça pour tout le monde. Les gens se déplacent pour aller le voir. Si lui, il a décidé de se déplacer pour venir voir ce que je fais, c'est d'abord par fraternité. C'est le sang qui est entre nous, c'est le sang de Cheikh Omar. Que Dieu le récompense. Au nom de toute l'équipe ici, on est très fiers, très honorés. Il faut de sa présence. Inch'Allah, le jour où on va inaugurer, on lui enverra son invitation. Ce que vous faites là, si c'est le pays avance, c'est le monde même qui avance. Il a dit qu'il est très content, qu'il est très surpris même de l'avancée de ces travaux-là. Et il dit qu'il a entendu que le président Macky Sall allait créer ici la cité Diamniadio. Et que chaque jour, lui, il passait devant les infrastructures. Et qu'il n'a jamais pu imaginer comment la cité va être créée. Il voyait juste des immeubles, il voyait des infrastructures. Et c'est la première fois qu'il s'arrête à Diamniadio pour regarder de visu qu'est-ce qui se passe. Oui, il dit que c'est la première fois qu'il a vu une nouvelle ville avec ce projet-là que vous avez entamé pour le compte de l'État. Et une nouvelle ville même. Président Macky, Sénégal, Moïno, Yesu, Naro, Sénégal, Nagoubi. La vision du président de la République dans le cadre du PSE pour d'ici 35 ans, c'est ce que nous voyons aujourd'hui en train d'être matérialisé avec ce projet-là. Et que vraiment, c'est un projet structurant qui fera vraiment un bond en avant pour le pays. Il dit que s'il voit le président de la République, il lui dira qu'il a inauguré à l'avance la cité ministérielle avec ses bénédictions. Il dit que le président a inauguré l'aéroport aujourd'hui, lui il a inauguré la cité ministérielle aujourd'hui. Cheikh Omar.